De retour de mission, des gendarmes du Val d'Oise sont intrigués par un véhicule suspect. Une Renault grise, dangereusement arrêtée le long d'une voie rapide. Porte passagers ouverte. Je décide de contrôler le véhicule et ses occupants. Je mets le gyrophare. À l'approche des gendarmes, un homme remonte précipitamment dans la voiture qui prend la fuite. Là, on part en course-poursuite direction Sarcelles. Les gendarmes ignorent tout de l'identité des fugitifs. Là, je me dis que j'ai affaire à des gens, oui, qui feront tout pour essayer de nous semer. Poursuit le véhicule jusqu'à un rond-point où se trouve l'église chaldéenne en direction de Sarcelles. Là, on fait deux fois le tour. Ils ne savent pas où ils vont. Je vois le passager qui oriente par des gestes la direction à prendre. 400 mètres plus loin, un feu rouge bloque la circulation. La voiture des fugitifs est immobilisée. Donc là, on descend du véhicule pour essayer d'interpeller au moins le conducteur. Ah, c'est tendu, ouais. Au moment où on arrive dessus, malheureusement, le feu repasse au vert. Et j'ai juste le temps d'essayer de saisir son bras. Ma main heurte sa tête, ce qui fait lui retirer sa casquette et ses lunettes. Sur le coup, je l'ai pas reconnu. Les fugitifs redémarrent en direction de Sarcelles. Après 6 km de course-poursuite, leur voiture pénètre dans le parking souterrain d'un centre commercial. Je suis arrivé au souterrain, j'ai mis mon véhicule en travers pour bloquer l'issue. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas s'il y a des armes. On est prudent. Le gendarme tente de suivre la piste avec son chien. La voiture est abandonnée, moteur encore allumé, mais aucune trace des passagers. Il faut attendre le soir et l'identification par la vidéosurveillance pour que le gendarme comprenne qu'il a failli arrêter, par hasard, le fugitif le plus célèbre de France. 5 heures après, j'apprends que c'est Faïd Rédoine. Voilà. Je me dis que je l'ai loupé. L'interpellation de Rédoine Faïd se serait jouée à quelques minutes. Et s'il avait échappé de peu à la police? L'homme aurait été repéré à Sarcelles, près de Paris. Une course-poursuite a eu lieu. Juillet 2018. Rédoine Faïd est le fugitif le plus recherché de France. Le voici sur des images inédites. Rédoine Faïd, accompagné de son frère Rachid, visiblement très détendu avec les clients de ce café internet à Paris, bien loin de l'image d'un homme en cavale. Pourtant, 12 jours plus tôt, il s'est évadé de prison. Une exfiltration spectaculaire en hélicoptère. Ma réaction, c'est comment c'est possible qu'il s'évade encore, justement. Et je pense au départ spontanément à une blague. Nouvelle évasion du braqueur Rédoine Faïd. Rédoine Faïd est de nouveau en cavale. Une nouvelle fois, le criminel de 47 ans fait la une des médias. Car depuis 2010, Rédoine Faïd est devenu un habitué des plateaux de télévision. Bonjour Rédoine Faïd. Bonjour. Merci d'être là. Depuis la parution de son livre, dans lequel il raconte sa vie de braqueur, Faïd se présente comme un repenti. Tournez la page, et puis maintenant c'est mieux comme ça. Jusqu'à l'attaque ratée d'un fourgon blindé, et la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet. Soupçonné d'être l'organisateur du braquage, Rédoine Faïd retourne en prison. Il s'évade une première fois en 2013. Il nous dit « Faites pas les cow-boys, ça sert à rien pour 1400 €, ça c'est pas la peine quoi ». Une deuxième en 2018 et renforce ainsi sa réputation de roi de la belle. Vous laissez femmes et enfants, et c'est parti pour 3 mois intenses. Comment les autorités ont-elles traqué le fugitif? Pour quelqu'un qui s'était évadé le 1er juillet, dormir en forêt, ça veut dire que vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de moyens financiers derrière. On identifie parmi les vêtements retrouvés un t-shirt orange qui était porté par Rédoine Faïd au moment de son évasion. Ce qui a attiré notre attention, c'était la corpulence et la taille des individus qui portaient les burqas, qui manifestement n'étaient pas des femmes. Y a-t-il eu des défaillances de l'administration pénitentiaire? Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment un pistolet automatique et des explosifs en quantité peuvent se retrouver dans une prison sécurisée. Donc là, on sait très bien que, de toute façon, on nous attend à l'orée du bois, c'est évident. Je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Grâce à des témoignages exclusifs, Cellule de Crise vous plonge au cœur de la traque de l'homme le plus recherché de France. Au cœur de l'hiver 2012, l'administration pénitentiaire organise en urgence le transfert de Rédoine Faïd. Le directeur de la prison de Fresnes, où il est détenu depuis 10 mois, est convaincu que le braqueur prépare une évasion. Dans un rapport à sa hiérarchie, il détaille les informations en sa possession. Il apparaît que la personne détenue est tentée d'approcher les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, afin d'obtenir des informations sur l'introduction de matières explosives. Ces éléments laissent redouter une volonté de l'intéressé de se soustraire à son incarcération par le biais d'une évasion. Les autorités choisissent de transférer Rédoine Faïd à la prison de Lille-Sequedin. Un établissement ouvert en 2005 et réputé sécurisé. Un établissement qui est doté de miradors, qui est doté d'un système de vidéoprotection. C'est un parc pénitentiaire qui est en capacité de garder des profils sensibles, voire lourds. Rédoine Faïd est classé détenu particulièrement signalé, un DPS en jargon pénitentiaire. Il est soumis à des conditions de détention renforcées. L'arrivée du braqueur dans la prison ne passe pas inaperçue. Christophe est l'un de ses surveillants à Sequedin. Il parle sans autorisation, l'interview a été reconstituée. Quand un détenu médiatique comme ça arrive sur un bâtiment, comme c'était un gros profil, le plus gros profil qu'on avait, tout le monde allait vers lui. J'ai observé d'ailleurs que tous les autres détenus de Sequedin étaient à ses pieds. Ils étaient sous l'influence de Faïd. Après seulement 1 mois, les surveillants s'alarment. Rédoine Faïd prend de l'ascendant sur ses codétenus. Le 25 décembre 2012, un collègue de Christophe rédige une note dans le cahier électronique de liaison. Un logiciel qui recense toutes les observations faites sur les détenus. Il passe son temps à discuter énormément avec la personne détenue BS, mais également FA. Ces derniers pourraient être sous son influence pour un éventuel mouvement ou autre au sein du bâtiment B, à surveiller de très près. Malgré cette alerte, progressivement, la tension des surveillants se relâche. Alain Jégaud est alors directeur régional de l'administration pénitentiaire, en charge notamment de la prison de Sequedin. Faïd Rédoine va être extrêmement respectueux avec le personnel, il va faire en sorte de se faire oublier, il n'y aura pas d'incident avec, avec un délinquant comme celui-là. Au départ, c'est sûr que quand il arrive, on est tous un peu à l'affût. Après, au fur et à mesure des mois qui passent, on voit rien et la routine s'installe. Après, peut-être qu'on est un petit peu moins vigilant sur certains points sécuritaires. Depuis 4 mois et demi, Rédoine Faïd est un détenu exemplaire. Ce matin-là, il a rendez-vous avec son frère Abdeslam pour un parloir, comme c'est le cas 2 fois par semaine. À la main, son sac de linge sale qu'il doit remettre à son frère. En dépit de son statut de détenu signalé, Rédoine Faïd n'est soumis à aucune palpation de sécurité en sortant de sa cellule. Il descend au parloir, situé au rez-de-chaussée de la prison, près de la cour extérieure. Là, avec d'autres détenus, il attend d'être appelé par les surveillants pour rejoindre son frère dans un box. Gérard Carré attend lui aussi pour un parloir. J'étais à côté de Faïd Rédoine et je ne le connaissais pas. À un moment donné, il s'est retourné, il s'est mis à genoux et il a commencé à défaire des affaires de son sac. Là, moi je pensais qu'il avait oublié sa carte d'identité. Alors je le regardais et il m'a regardé d'un œil noir. J'ai compris que c'était pas le moment de lui donner un coup de main. Donc j'ai regardé autre part. Rédoine Faïd sort un pistolet de son sac de linge. La porte s'est ouverte et lui s'est précipité. Il a mis, disons, une sorte de bonnet sur sa tête. Et après, bon, j'ai attendu un coup de feu. Rédoine Faïd menace une surveillante avec son arme, puis tire en l'air pour prouver qu'elle n'est pas factice. Du côté famille, Isabelle attend dans un box pour une visite. Tout d'un coup, j'entends, il est armé, c'est une prise d'otage. Voilà, donc là, je suis un peu, je me dis, oui, enfin, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Et puis j'ai vu passer une personne avec une arme sur la tente d'une autre personne. Avec 3 surveillants sous la menace de son arme, Faïd prend la direction des parloirs. Miguel Langlais, surveillant à Sequedin, commence sa journée de travail. Il va se retrouver pris au cœur de l'évasion. Là, j'entends la chef qui dit c'est une prise d'otage, c'est Faïd. Dès que j'ai entendu Faïd, tout de suite, on comprend que c'est pas faux et puis il va se passer quelque chose. Je me dis pas que je peux être en danger. Je me dis, faut que j'y aille, je sais pas, c'est l'instinct professionnel. Rédoine Faïd se dirige vers la salle d'attente des familles, qui donne directement sur la cour intérieure de la prison. Il détient 3 surveillants en otage. Depuis la fenêtre du couloir, Miguel Langlais observe la scène. Il y a une petite lucarne, et là je vois qu'à l'intérieur, il est en train de mettre quelque chose sur la porte en face. Et là, il me voit. Et il me dit, t'es là, tu restes là. À ce moment-là, vous savez, quand vous avez une personne armée en face de vous, et vous connaissez le pédigré du bonhomme, vous me dites, je pense que ça va faire mal. De son sac, Rédoine Faïd sort un pain de plastique qu'il pose sur la porte. Puis il écarte les surveillants.